vient d'habiller, enfin je viens d'habiller Yora, regardez comme elle est belle. Tu te tournes Série, tu nous montres la jolie robe? Non. Et les belles baskets? C'est les trucs que je lui ai pris chez H&M, c'est trop mignon. La robe elle lui va trop bien. Mais elle me déménage tout. Bon du coup ce matin c'est montage, il est pas 9h encore, Yora s'est levée à 8h il me semble. C'est ça, 8h, ouais 8h. Il est pas encore 9h, du coup là je vais essayer de monter une ou deux vidéos. Et puis après direction la douche, le make-up et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et puis papa Loïs, je le réveillerai vers 11h, voilà. Ça y est, je me suis lavée, je me suis maquillée, je me suis habillée. Il y a papa Loïs qui est là. Moi je me suis pas lavée, pas maquillée, rien. Rien, t'as vu ta tête? Papa n'a pas maquillée. Papa n'est pas maquillée. T'as vu? Et Yora, elle est trop belle dans sa petite robe. La tétine, elle est prisonnière. Oh, t'as fait quoi avec la tétine? Tu l'as mise en prison? La tétine, elle est en prison. Attends, t'as mis la tétine en prison? Elle ne peut pas sortir. Elle est trop mignonne. Bon, moi, du coup, je vais préparer à manger. Je pense que je vais faire une version accélérée d'un gratin de pommes de terre. Faut pas que je mette le gratin dauphinois, sinon je vais me faire gronder. Donc, je vais faire cuire des pommes de terre à la vapeur. Et puis, après, je vais mettre dans un plat avec... Ah mais non, je peux pas, parce que je n'ai pas de fromage, je n'ai plus de fromage. Mais c'est la loose, papa. On n'a plus le fromage râpé. Bah du coup, je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire, du coup. On n'a pas de fromage. On a du babybel. Je vais regarder vite fait si je trouve pas une recette avec du babybel. Non, avec de la vache qui rit, je vous dis des bêtises. Enfin, j'ai du babybel et de la vache qui rit. Je vais voir si je trouve pas une recette avec la vache qui rit. Bon, du coup, ce midi, je vais faire des œufs pochés avec des crevettes et une petite salade d'avocat. Enfin, je vais faire une salade crevette avocat et des œufs pochés. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut. En tout cas, je vais vous montrer comment je fais mes œufs pochés parce que c'est très facile. J'ai fait ça chez mes parents la dernière fois. C'est vraiment super simple. Là, pour l'instant, je vais décortiquer les crevettes pendant que l'eau pour les œufs est en train de chauffer et je vous montre tout au fur et à mesure. Donc du coup pour faire mes œufs pochés j'ai besoin d'un petit ramequin, de papier alimentaire film, de sel et d'œufs et aussi un petit peu d'huile au choix. Là c'est mon huile à azur que je vais utiliser parce que je l'adore. Donc je commence par mettre mon ramequin, faire bouillir de l'eau, c'est le plus important, j'ai oublié de vous dire. Il faut de l'eau. Faut faire bouillir de l'eau que je mets dans mon ramequin. Voilà, comme ça. Je vais y verser un petit peu de matière grasse au choix. Donc moi je vous dis, ça va être l'huile à la truffe. Cette matière grasse, elle sert à ce que l'œuf ne colle pas sur le papier. Ensuite, je mets mon œuf dedans. J'ajoute un petit peu de sel. Moi la dernière fois, j'ai trouvé que c'était pas suffisant. Et ensuite, enfin j'en avais pas mis et je trouvais que ça en manquait. Et ensuite je vais refermer très consciencieusement ma papillote de façon à ce qu'elle ne puisse pas s'ouvrir, pas gagner. Chez ma mère j'avais des petits trucs, je vais voir si j'en ai pas là. Bon, cela dit, ça devrait marcher là. Je pense que ça doit le faire. Voilà, j'en ai fait une et je vais en faire une deuxième. Bon voilà, mes papillotes sont prêtes. Je sais pas ce que ça va donner. Et je vais maintenant les mettre. J'ai laissé une coquille dans celui-là, la loose. Bon, je ferai attention, je pense qu'on la verra. Je la retirerai avant. Donc maintenant, il y a mon eau bouillante qui est prête et je vais les mettre dedans. Et je vais mettre le minuteur à... c'est 3 minutes. Mais je vais mettre 3 minutes 20 et on va voir ce que ça donne ou s'il faut les laisser encore un peu. En tout cas il faut que l'eau boue et là l'eau boue bien, mais chez mes parents c'était pas assez, j'avais laissé au moins 4 minutes. Et voilà mon assiette pour ceux que ça intéresse. Moi je me suis fait un petit morceau de viande en plus parce que j'ai super faim en ce moment. Donc j'ai mis un peu de vinaigrette et c'est parti. Hop, on va manger. Papa Loïs nous a rapporté ça, c'est une tuerie, c'est un 4 quarts avec du Nutella. Qui vient d'une boulangerie à côté du resto et il y aura en a pour le dessert et je crois que ça lui plaît. C'est bon chérie? Oui. Papa veut bien une autre tranche s'il te plaît. Pardon? Papa veut bien une autre tranche s'il te plaît. On a reçu un colis pour Eliora aujourd'hui. Oui, maman. Qu'est-ce que tu fais avec la tétine là? Nous on a fini de manger et maintenant on va regarder ce qu'il y a de beau pour toi.
Waouh! Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, la peinture. Des éponges et un tablier, c'est pour faire de la peinture avec les éponges. Waouh! Ça, qu'est-ce que c'est? C'est des accessoires pour la pâte à modeler. Oh, de la pâte à modeler. Ça, c'est quoi? C'est des crayons de couleur, trop beaux. Et là, des feutres. Ah, ces feutres-là, on les adore, ils sont trop bien. Oui, maman. T'as été gâtée? Oh, tu dis merci Anne-Charlotte. Merci Anne-Charlotte. Trop bien, on va. Tu veux faire ça? Oui, oui. Alors, on va t'enfiler le super tablier. Oui. Oui maman. Alors il est comment ce tablier? Ah mais c'est super pratique ça. Oui. Non. Oui maman. T'es trop belle avec ton petit mouton. Peut-être là, regarde, il y a des petites éponges comme ça. Je vais peut-être aller les mouiller. Oh les bâtons. Maman, tu as les bâtons. Faire comme ça. Voilà, c'est bien ce que je pense. Et ensuite, utiliser l'éponge comme ça. Non, tiens, vas-y, tiens. Attends. Je te prépare. Tiens, tu fais comme. Regarde, je te montre une fois. Oui. Regarde, hop, appuie, soulève. Waouh! Wow. Bon. Le bon. Poisson. Bon. Tu fais encore? Oui. Ah. Et voilà. Et voilà. Elles sont pas trop belles les réalisations d'Eliora? C'est trop beau chérie. Waouh. Je crois que ça te plaît hein. J'ai mis une petite pince à linge là pour tenir et bien protéger devant. Oh pas non, trop mal. T'as pas fait aller plus. Ah non. Alors regarde. Aïe, oui maman. Alors regarde. Mets de la main là. On appuie. Hop regarde. Non regarde le loup. Waouh. Mettre un peu de couleur. Je crois que ça te plaît. On dit merci Giotto. Bon maintenant, après la peinture, on fait le coloriage. J'en avais plein dans les cheveux, c'est pour ça qu'il y a les cheveux mouillés. Parce que j'ai passé un gant. Hop. Et on a sorti les nouveaux crayons de couleur Giotto. Ils sont super bien pour elle. C'est bleu. Elle est bien installée là. Bon, elle arrête pas de déranger les livres. Hein. Ne venez pas dire que c'est pas rangé. C'est juste qu'à chaque fois que je les range, elle arrive et elle les jette dans tous les sens. Et c'est ça, maman. Oui. C'est jaune. Oui, c'est jaune. Bravo, mon cœur. Et tu mets ça? Bien sûr que tu peux mettre du jaune. Et il y a carrément des carottes. Oui, elle est orange, la carotte. C'est du jaune et du rouge, le orange, chérie. Ça, c'est quelle couleur? C'est une couche. Oui. C'est ça. Et ça, c'est quoi? Ça. Vert. Oui, c'est vert. Bravo, mon cœur. C'est trop mignonne. Dessiner. Oui, ça. Tu peux dessiner. Avec les deux mains. Oh non. Allez, on va faire un tour de manège. Oui, comme il fait beau. Oui, moi. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Oui, on va faire le manège? Oui, manège. Ok, c'est cool. Donne le ticket, il y aura. Bon, je viens de revenir des courses. Enfin, on a fait le manège et ensuite j'ai fait quelques courses. Je vais vous les montrer. Je me suis pris du café au lait parce que j'en avais plus, mais Loïse va m'engueuler parce qu'il n'y a plus son expresso en ce moment. Impossible de le trouver à part sur le site internet d'Auchan, donc je le recommanderai sur internet pour les prochaines grosses courses. J'ai pris de la viande hachée. J'ai pris ça pour Bélie parce que c'est des compotes poire mandarine et je pense qu'elle devrait aimer. Les pommes pâtes, elle les aime bien généralement. Bon, on va voir si elle les boit. En ce moment, c'est dur de lui faire boire des compotes, elle mange les fruits directement. J'ai repris mon fameux cheddar
qui est trop trop bon. J'ai pris des boulettes végétaliennes pour Ellie, elle les adore. Du gruyère râpé parce que j'en ai plus. Et enfin j'ai pris des tortillas nature. Donc là maintenant on va se détendre un petit peu parce qu'Ellie commence à fatiguer. Elle a bien marché, on est sorti sans la poussette. J'ai mis d'ailleurs la grosse poussette à la cave pour faire plus de place. Et je garde plus que la poussette compacte pour l'instant. On va voir combien de temps je tiens. Mais en tout cas c'est bien parce que ça l'a fait marcher. Et elle a du mal à marcher plus de 5 minutes en fait. Au bout de 5 minutes elle me dit maman les bras. Et je suis obligée de lui dire non et de lui dire je sais pas, on va acheter des bonbons, on va au manège, des trucs comme ça pour la forcer à marcher. Voilà. Et c'est nous, alors il est un peu tard. Il doit être déjà 19h, en fait c'est à 19h30 même. Et je commence à faire à manger que maintenant. Du coup je vais faire des burritos, faritas, ça fait ça comme vous voulez. Sauf que pour Eliora, à la place de la viande, je vais mettre dedans les boulettes que je vais couper en deux. Et pour moi, je vais mettre du bœuf. Donc je vais pas vous mentir, c'est super facile à faire puisque j'ai quelque part par là. Hop, hop. Un mélange pour burritos que je vais mettre dans la viande. Et je vais prendre le mélange pour guacamole que je vais mettre avec l'avocat en fait. Tout bêtement. Je vais baisser la luminosité là parce que je vais être transparente bientôt. Voilà. Donc il vous faut quoi? Il faut de la salade, des courgettes, du fromage. Donc moi comme vous le savez, je suis tellement fan de cheddar que je mets un cheddar et emmental. Un avocat bien évidemment. Et des tomates. Du coup moi je vais en mettre je vais en prendre quelques-unes. Donc dans un premier temps je vais prendre ma planche et je vais découper mes légumes. Les tomates, je les ai mises dans un petit récipient parce que je vais pas les cuire. Les courgettes, elles sont encore sur la planche à découper parce que je vais les mettre à la poêle en fait avec la viande. Donc là je vais sortir une poêle, y mettre un peu d'huile d'olive. Une fois que c'est chaud, je vais y mettre la viande et les courgettes. Et quand tout sera bien doré, je rajouterai le mélange non c'est pas celui-là, parce que je peux pas confondre, le mélange pour burritos et un petit peu d'eau. Et je vais laisser s'évaporer, enfin je vais laisser l'eau s'évaporer jusqu'à ce que ça que la sauce s'épaississe en fait. Bon je vais vous montrer tout ça. Bien les dents. Oh. Oui. Mais oh. T'as loupé. Oui. C'est bien. Ça va? Oui. Encore. Bon, alors on va voir si il y a des étoiles. En fait, on l'a vu tout à l'heure, la grande ours. Mais là, je crois qu'on va plus la voir. Attends, on essaie pour voir s'il y a des étoiles. Hop. Bah oui mais c'est bizarre qu'on... C'est comme s'il n'y avait plus d'étoiles au-dessus de nous parce que c'est une certaine heure. C'est bizarre hein. Bon. C'est dommage hein bébé. On va allumer la lumière. La lumière du lit. Va te mettre dans le lit. Il faut que j'aille te chercher ton bip toi.
Bonne nuit, mon amour. Et puis les tissus. Pardon, chérie. Encore et puis les tissus. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Et puis les tissus. Tu veux des sous? Mais non, arrête avec tes sous, toi, t'es une coquine. Bonne nuit, mon bébé d'amour. Je t'aime fort. Bisous les pandas. Bisous pandas. J'espère que cette journée avec nous vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à demain. Au revoir, fille. Au revoir, pandas.